Accept call. Ouais, salut Joe. Ouais, je suis en train de préparer mes affaires de pêche pour demain. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Ben oui, parce que j'ai acheté les écouteurs dont je te parlais, les Ori Game. C'est ceux à commande vocale. Si, si, j'écoutais de la musique avec et puis là j'ai décroché en commande vocale. Ah, ils sont super cool. Ouais, pour demain, ben, rendez-vous super tôt. Je suis justement en train de préparer mes leurres. Je sais ce que je vais prendre. Comme on va dans une zone de pêche qu'on n'a jamais pêchée, j'y prends des leurres de prospection rapide et je prends les coloris roses. Là, tu sais, ça avait bien fonctionné la dernière fois. C'est les scratch tackle. Ben, j'ai plusieurs grammages. Je crois que je vais pêcher très light. Je crois que je vais prendre ceux-là. Ben, je vais en prendre plusieurs avec et puis on verra bien. On se donne rendez-vous demain, très tôt le matin. Je prends le bateau et on fait comme on l'a dit. On part en exploration. Ok. Yeah, play music. On se retrouve sur un petit canal qui se trouve plus ou moins entre les maisons, à moitié dans les champs. On va pêcher le brochet. Bon, il y a des perches, on dira pas non, mais on va utiliser des leurres qui sont plutôt des leurres à brochet. Alors là, on est tôt le matin, on vient de se mettre à l'eau. Donc on s'est mis sur cette petite embarcation Sparrow avec Geoffrey et on est parti traquer le brochet. Bon, est-ce que les brochets vont être actifs aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. On sait qu'il y en a. En tout cas, ici, c'est une zone où il y a du brochet. Il n'y a plus qu'à trouver où ils sont exactement et s'ils sont actifs. Alors, jusqu'à présent, pas de brochet. La journée paraît pas du tout active pour le pêcher brochet parce qu'on a pêché des très beaux endroits de pêche et on n'a pas eu de suivi, pas d'attaque. Donc on essaye de changer de leurre, de technique pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. Alors on va aller essayer derrière ce pont. Là on est arrivé jusqu'à un pont. Bon, il y a moyen qu'on passe en dessous, donc on a rabattu le moteur, etc. Et là il n'y a plus qu'à se baisser et on passe en dessous du pont. Allez, c'est parti. Un beau petit lac de l'autre côté du pont. Oh putain, le moteur il touche presque là. Et le pont n'est pas égal, hein. On va toucher ici. Hein. Mon moteur va toucher. Hein. Juste à la fin, il va toucher juste à la fin. Ah non, il passe. Il fleure. Il effleure. Ah, on est passé. Ouais, l'architecte il a pas fait un pont très droit. Ah là là. On va tous se remettre droit, mais l'autre jour. Un bon gros canot qui s'élargit. Bah, j'espère qu'il y a du brochet qui va être là-dedans. Il y a quand même des arbres et tout ici. Il y a des belles bordures. Maintenant, je crois vraiment que la journée n'est pas top. Le vent est du nord, ça pue. Bah, je sais pas, là c'est un peu mort. Hein, mais... T'as vu la zone qu'on vient de pêcher ou quoi? On n'a pas fait une tape, pas un suivi. Ben, ils sont pas actifs. Hein. Journée sans activité, un brochet quand même. Il est tout petit, hein. Il est vraiment tout petit. On va le remettre tout de suite dans l'eau. On t'appelle papa, maman, et on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao. Il était posté en bordure. Une info, notre première info, Joe. Posté en bordure. Spinner, scratch tackle. Marche toujours bien. Il coûte pas trop cher. En plus, c'est pas mal comme spinner. Ils sont jolis en rose comme ça, j'aime encore bien. Moi, c'est une couleur qui est pas trop pêchée. Ça y est, ça y est. Ah, des crocs. Putain, décapote. T'as presque décapoté sur mon bateau. Ouais, normalement, il y a tout qui passe. Par contre, le prochain pont, on passe easy. Expédition fichier. Bon, là, ce pont-là, c'est vraiment tout juste, tout juste, tout juste. Les lisses touchent. Si je mets pas mon pot à l'arrière, on passe pas. Voilà. Bon, on est passé. Il était un peu chaud ce pont-là.
Bon, à peine passé le pont, il y a Geoffrey qui nous enchaîne un broc. Je veux bien l'épouser si tu veux. Yeah, ton premier brochet au bateau. Et c'est pas un petit brochet que tu nous sors là. Oh, gros brochet. Regardez, il est plein de sangsues. On voit bien la sangsue. Ah ouais, là au-dessus il y a des sangsues. Ils sont vraiment posés sur le fond. Ouais. Dédicace ouais. À Monsieur Boreux. Parce que c'est lui qui me l'a conseillé. Beau pike ça. Oh, fiche, fiche. Oh, décroché. Le fermier va voir, il va faire. Comment il est arrivé là lui? À fond. Je vais te passer le bateau, tu vas le récupérer de l'autre côté. Ah, il arrive. Je l'ai plus hein. Comment ça arrive? Ah, c'est bon, il s'est arrêté. Vas-y, saute dedans, qu'est-ce que t'attends? Quelle expédition, hein, Joe? Quelle expédition, Joe? On passe sous la pluie. On passe sous les ponts. On peut pas passer en dessous, on passe au-dessus. Ouais, on vient de passer au-dessus du pont parce que le bateau, il n'y a que le bateau qui passait, nous on passait pas. Oh, fiche! Oh putain, il est beau! C'est chopé l'épuisette. Oh, fiche, mec! Putain, j'avais mon flineur qui. J'avais juste. J'ai déposé ma canne! Doublé, quoi! Doublé n'importe quoi! Non, n'importe comment! J'amène le suivant. Hop là, doublé! Joe! Putain, je dépose mon spinner dans l'eau, il pêchait pas! Moi non plus! Il pêchait pas! À la descente, boum! Bah, putain, truc de fou, je déposais ma canne comme ça, et puis d'un coup, je fais putain, elle a accroché, je me dis, mais elle a accroché dans l'arbre, et puis je fais putain, c'est un fish! Incroyable! Dans scène, hein! Incroyable! Juste avant d'arriver. Incroyable cette scène, purée quoi. Doublé de brochet quoi, alors que je pêche pas et toi non plus. Putain, j'en reviens pas parce que le pike là il m'a pris le leurre mais juste par les palettes devaient pas tourner quoi. Je l'ai déposé dans l'eau, il était à 100 en dessous du bateau. Effet parachute. Hein. Effet parachute, ouais, il a dû faire comme ça et floup, il est venu le choper. Ouais. Incroyable. Quelle scène. Donc voici notre doublé de broc, hein, plutôt incroyable comme scène. Ouais. Bon, le tien est plus gros quand même, hein. Ouais. Le mien c'est tout petit. Mais bon, ça fait, c'est cool, c'est notre deuxième brochet chacun et un dégroché chacun. Ouais. Est-ce que l'activité reviendrait? Allez hop, on remet ça dans l'eau. Et les deux. Coucou, tu restes ou quoi? Tu restes avec nous? Fignasse. Il reste avec nous. Il va t'envoyer de la flotte. Ah non, non, regarde non, comment il fait le pépère quoi. Hop, il repart tranquille. Ouais. Non, mais je veux dire, tout à l'heure on faisait pas une touche et là maintenant on commence quand même à faire quelques fiches. Bah là en une heure on a quand même fait une attaque et deux pailles quoi. Bah c'est une bonne heure par rapport au début où on n'a pas fait une attaque sur une heure. Je pêche par là, moi je pêche par là. Hein. Oh, fiche, raté. Ouais. Par contre, on la décroche, ouais, c'est sûr, c'est un fiche. Il m'a tapé latéral en plus. Oh, oh putain, raté! Non, 65. Il a ouvert la gueule de fou. Voilà, il est dessus. Oh, je vais le décro, il est trop fou. Il fait trop le fou, mec. Je vais le décro. Wow, putain, il me fait un de ses combats. Hein. Il est pas si gros pourtant. Il est pas si gros, mais il me fait un de ses combats. Ouais, je l'amène. Là à gauche. Hop là! Oh si, 70! Oh. Ouais, ça, c'est un beau brochet. Pris avec le spinner Altera. C'est des spinners qui coûtent pas cher.
J'ai vraiment des bons résultats avec. Ça, c'est un brochet qui mange bien, mamie. Il m'a d'abord mis une attaque, ensuite il est revenu, il m'a reloupé le spinner. Je l'ai repassé direct derrière et là il me le chope, mais il a bien pris. J'étais juste sur le haut de la lèvre, c'est vraiment bien mis. Hop. Je mets ça dans l'eau. Ici. Yeah, troisième brochet pour moi. On dirait que la journée est complètement en train de se bouleverser. L'activité des brochets est de nouveau là. Oh yeah! Ouais, ici c'est très joli. Baisse ta tête. Si je baisse ma tête. C'est très joli ici pour pêcher. C'est des pêches de structure quoi. Moi c'est ce que je préfère, moi les pêches de structure. Puis voir un poisson sortir là en dessous, c'est quand même top quoi. Ah ouais, on en a vu. Hein. C'est finalement pas une mauvaise journée. Hein. Ouais, je m'attendais qu'un. Vu le début de journée, l'activité zéro, c'est bien retourné après. Ja, snooken. Wenn ihr Wisser hook. Ok. Hop là! Ouais, je l'ai encore. Ah, il se débat comme un fou. Non, des crocs! T'as le temps que t'as mis pour les fusettes, mec! Fiche! Oh putain, c'est des perches, mec! C'est des perches! Ça fait trois fois qu'elle me tape dedans. Ça fait trois fois, je sais pas ce que c'est pas gros. Je crois que c'était des perches. Fiche. Quoi ? Ouais, fiche. Là ? Ouais, c'est plus joli. Il l'a attaqué en deux temps. J'y vais mollo, comme ça tu prépares les épuisettes, ça a l'air d'être un 70. Attends, je retourne. Ouais, il est dedans. Yeah, c'est mon quatrième, je crois. Quatrième brochet. Ciao. Ben voilà, il est reparti. C'était le quatrième. Il n'était pas gros de toute façon. Je lâche plus mon spinner parce qu'aujourd'hui c'est mon arme fatale. Il prend tout. Là, il est bien planté dans l'épuisette. Oh, il était beau. C'était beau, hein? Coucou, toi! Allez, Geoffrey, sors-nous tes fossettes. La tine de ratitude. Beau pike. Ça match avec les pikes aujourd'hui. Et franchement, ils sont de plus en plus gros. Hein. Ils sont de plus en plus gros avec la journée là, qui se passe là. Wow. Est-ce que tu vas battre ton record aujourd'hui? Ah, ça je sais pas si je vais battre mon record aujourd'hui, mais... On va essayer, tu remets ça à l'eau. Putain, ouais, bah il a voulu partir un peu vite. Hein. Ouais, il est reparti. Bien joué. Yes. Oh, oh. Oh, oh, oh. Raté. T'as vu? Ouais. Il reprend. Je l'ai. Non! Putain, il était beau! T'as vu combien de fois il est venu? Combien de fois il est venu dessus, dis? Ouais, bah ouais. Et à la fin, j'ai senti la lourdeur là, je l'ai bien ferré pourtant. Putain,
Putain, il y avait quelques pailles dans la zone ici. Hein. Bon, Geoffrey, t'enchaînes. Bah, beau fiche. Et puis lui, on pourra s'en souvenir parce qu'il a une super tâche de naissance là. Et on ah ouais. On cartonne la journée, hein. Ouais. Pour une journée qui avait commencé avec zéro activité, on était vraiment pas chaud. Mais là, on enchaîne les fiches ici. Yes, ça fait plaisir. Yeah, ouais. Beau, beau, beau brochet encore une fois. Magnifique. Bien joué, Joe. Yes. Ouh. J'ai voulu l'attraper, il a fait. Putain, moi, j'ai faim, moi. On va manger. Moi aussi, j'ai faim, mais j'ai faim d'attraper du brochet. Ben voilà, fin de journée. Alors on est parti total à l'aventure aujourd'hui, on est parti découvrir un canal qu'on ne connaissait pas, on est parti avec le bateau, on a insisté sur tous ces spots, on a traversé des ponts dans tous les sens et ben on a fait pas mal de brochets le matin, c'était vraiment zéro activité, puis je sais pas, vers 11h, un truc comme ça, vers 11h là on a commencé à avoir quelques brochets et puis après l'après-midi on a quand même bien enchaîné, donc on fait quoi 5-6 brochets chacun, j'ai même pas compté. Et on en décroche plus ou moins aussi 5-6 chacun quoi. Donc belle journée avec des beaux poissons. Le plus gros, c'est Joe qui le fait. Bah bravo Joe. Bonne journée de pêche. Ouais, ça va. Sur ce, le soleil, il vient de se coucher. Et on va ranger le bateau. Et puis on va rentrer. Ciao.